Coucou les amours! Eh bien, me revoilà! Donc aujourd'hui, je vais vous faire une très petite vidéo, très courte, juste pour vous montrer comment poser un transfert, puisque j'en ai eu la demande par des copines. Donc j'ai pris, il vous faut un t-shirt, un transfert. Donc ceux qui ont vu ma vidéo Timo connaissent ce transfert. Voilà, donc premièrement, ce que je fais, c'est que je repasse bien le t-shirt. Moi, je mets au plus fort. On va bien le repasser pour qu'il soit bien, bien plat, surtout à l'endroit où vous voulez mettre le transfert. Oh, il y a des poils de poussière, de poils, je sais pas quoi, des chiens, des chats. Je sais que je passe 10 fois par jour l'aspirateur, mais ça suffit pas. Voilà. Donc là, j'ai mon t-shirt, il est bien, bien. J'ai le milieu ici, comme ça. Attendez, je vais descendre un tout petit peu. Voyez le col ici. Donc, ce que je fais, je prends mon transfert. Je vais le placer. Ça, c'est le milieu de la poitrine. Donc, je vais le placer à peu près. À essayer qu'il soit bien centré, bien sûr. Et un tout petit peu plus bas que la poitrine. Voilà. C'est pas compliqué. Hein. C'est vraiment très facile. Vous allez poser votre transfert. Je suis au plus fort du fer. Je vais juste essayer. Ah, bien. Bravo, Béatrice. Mais quel con! Pardon, excusez-moi. Alors, bravo, je fais la démonstration, mais je suis encore plus nulle que nulle. Mais vraiment. Oh, mais que je suis imbécile. Il faut le mettre face. Oh, mais je te jure, vraiment. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que je suis bête. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est tout moi, ça. Voilà, bon, alors on recommence. On le met face à vous parce qu'évidemment, la photo, le collant, il est dessous et pas dessus comme j'ai fait. Oh, mais vraiment, bravo. Oh. Et encore, je vous fais la démonstration. Donc, bon, là, il est bien centré. Bon, je fais encore un essai. C'est... Ah, ben non, mince. Alors, attendez, il faut que je nettoie mon fer maintenant. Ah, je suis désolée, hein. J'ai mis de la colle, évidemment, du transfert. Bon, après, j'ai un fer qui date. Je ne repasse jamais. Jamais, jamais, jamais. Bon, j'espère que ça va aller. Oui, ça y est, c'est bon. Donc là, je suis au plus fort. Alors, ce que je fais, c'est que déjà, vous passez bien partout. On va voir comment il est celui-là. Il y en a qui sont plus faciles à faire que d'autres. Hein. Donc. Voilà, là, il est bien partout. Alors, une fois que j'ai bien chauffé la totalité. Enfin, moi, c'est la façon que je fais. Hein. Après, chacun. Peut-être il y a d'autres personnes qui ont. Je vais déjà vérifier si se décolle. C'est toujours le moment le plus crucial. C'est ça. C'est chaud. Il faut qu'il se décolle. Et ce n'est pas le cas. Des fois, il y en a, ils se font tout seuls. Et puis, il y en a, celui-là, il ne m'a pas l'air très facile à enlever. On va voir. C'est ce qui m'est arrivé la dernière fois avec un des... La colle, elle se met sur le t-shirt. Par contre, le dessin, il ne se défait pas. Il faut vraiment arriver à décoller le coin. La colle, elle y est sur le t-shirt. Mais maintenant, c'est la photo, c'est le transfert qui doit aller aussi. Ah, voilà, ça fait des cloques maintenant. Voyons.
Oui, voilà, ça marche. En fait, il faut laisser beaucoup plus de temps à la chaleur. Enfin, normalement. Oh là là. Ben voilà, ça fait partie de ceux qui sont difficiles à faire. Franchement. Pourtant, il devrait se défaire parce que là, c'est hyper chaud. Et ben pas du tout. La colle, elle est sur le t-shirt, mais pas la photo. Bon, on va chauffer encore, hein. Voilà, ça c'est quand tu veux faire la vidéo facile et tout. Super facile. Voilà, comme je vous disais, il y a des transferts qui marchent hyper bien et il y a des transferts qui marchent pas du tout. Enfin, qui sont beaucoup plus difficiles. Peut-être parce que je laisse pas assez. Je sais pas. On va voir ça. On va voir ça. Maintenant. Hein. Oh, flûte, flûte et flûte et encore flûte. Ah, je sais même pas si je vais vous poster cette vidéo. La pauvre, je crois que c'est Nathalie. Nathalie qui voulait savoir comment je faisais. Quand elle va voir ça, elle va dire oh purée. Normalement, je te jure, c'est facile. Alors celui-là, il est vachement, il est coriace, il veut pas se décoller. Oh. C'est tout le temps comme ça. Non, hein, il veut pas. Hein. Wow, c'est chaud. À faire, il reste collé au. Ah. Ben dis donc, il n'est pas évident hein, celui-là. Je vais prendre une carte en faisant comme ça, peut-être. C'est les bords qui sont difficiles à faire, difficiles. Voilà. En fait, c'est le bord. Une fois que vous avez décollé le bord, alors on y va très doucement, hein, par contre. Voilà. Après, c'est super facile. Faut partir d'un coin et il faut arriver. Voilà. Maintenant, regardez, hein. On y va quand même doucement pour pas tout arracher. Hein. Et voilà. Il est magnifique, mais voilà. C'est toujours le départ qui est difficile. Donc, bien chauffer le coin et essayer de sans trop l'abîmer. Bon, moi, je l'ai un peu abîmé là, mais ça va, ça se voit pas trop. Je vais vous le mettre à l'endroit. Hop là! Il est superbe, il est magnifique. Même sur une couleur foncée, comme vous pouvez voir, les couleurs, elles restent super bien, quoi. Voilà, c'est génial. Puis alors là, après, ça bouge plus, hein. Ça reste nickel comme ça. Moi, les miens, je les ai lavés déjà plusieurs fois et ça reste toujours génial. Bon, ben, désolée. Je crois que c'est Nathalie, hein. Nathalie, en tout cas, si tu vois ma vidéo. Ben, j'espère que tu la verras. Surtout, t'affole pas. Ça m'est arrivé déjà deux fois comme ça sur des transferts. Il faut partir du coin et il faut vraiment y aller délicatement, gratter un peu pour que le. Vraiment, c'est à partir du coin. Une fois que le coin il est parti, tu as vu, c'est nickel quoi. Ça reste nickel. Bon, ben voilà, j'espère que vous allez aimer mon t-shirt. Donc, avec Frida Kahlo, comment Van Gogh et notre ami Chocolat Lanvin. Voilà.
Donc, j'espère que vous avez aimé. En tous les cas, je vous dis mille fois, mille fois, mille fois merci pour tous les messages. Alors, j'ai répondu à tout le monde. J'ai été en retard parce que ce week-end, ça, sur la dernière vidéo, parce que ce week-end, ça a été un peu compliqué. Mais enfin, j'avais beaucoup de choses à faire. Je vous expliquerai. J'ai un projet sur une maison de retraite. Donc, je vous expliquerai tout ça en temps voulu, en temps et en heure. Et bien, je vous posterai la prochaine vidéo. Je pense que ça va être. Enfin, vous savez qu'avec moi, ça change tout le temps, hein. Ça va être certainement une petite vidéo sur les fleurs en papier. Comment les faire, parce que j'ai eu moi-même un peu de mal à prendre le coup, donc bon voilà, mais je pense que ce sera la prochaine vidéo, et puis je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et qui vous entourent. Je vous aime très très fort, je vous embrasse.